Bonjour et bienvenue sur Momentum en ligne. Je suis Grégoire Wartel, le pasteur de l'Église en ligne. D'ailleurs, vous vous demandez, mais c'est quoi exactement l'Église en ligne? L'Église en ligne, c'est l'Église qui vient à vous. Vous savez, des fois, on ne va plus à l'Église pour différentes raisons, ou peut-être que vous n'y êtes jamais allé. C'est l'occasion pour vous de pouvoir vous connecter et librement de pouvoir participer à une célébration. Alors, très simplement, qu'est-ce que vous allez retrouver? Au sein de l'Église en ligne, vous allez retrouver un moment de louange, d'adoration. Vous pourrez frapper des mains. Vous pourrez aussi lever les mains vers le ciel et pouvoir adorer Dieu. Vous aurez aussi un message qui sera encourageant, inspirant et qui va vous challenger dans votre foi. Par la suite aussi, si vous avez des questions, vous avez besoin de prières parce que vous vivez des difficultés, eh bien, une équipe se tient à votre disposition tout au long du culte et même après pour pouvoir prier avec vous, répondre à vos questions et nous nous ferons une joie de pouvoir vous aider. Si vous souhaitez participer aussi financièrement à ce projet, vous avez possibilité de le faire simplement en cliquant dans l'onglet « Donner » en haut à droite. On est en plein dans les fêtes de Noël et durant tout le mois de décembre, nous allons avoir des célébrations de Noël où, vous savez, on a ajouté beaucoup d'artifices à cette fête. Mais il faut se rappeler le sens réel de la fête de Noël. Et tout au long du mois de décembre, nous allons nous rappeler la naissance de Jésus. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi Jésus est venu? Aujourd'hui, c'est le pasteur Mathieu Perrault qui va nous apporter un message, qui va nous faire découvrir le message de Dieu, de Jésus et de l'Évangile. Je vous souhaite bonne écoute sur Momentum en ligne. Et bienvenue à l'église Momentum. Je vois qu'il y a quelques visages nouveaux ce matin. Il y a également tous nos amis qui nous suivent sur Facebook et sur le Top Chrétien. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ce matin avec un petit peu plus de bruit, s'il vous plaît? Vous êtes nos invités d'honneur et nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous. Merci beaucoup d'être venus. Alors ce matin, notre célébration va être un petit peu différente de d'habitude. Nous aimerions vous faire redécouvrir Noël. Avec le temps, nous avons ajouté beaucoup de féerie, beaucoup de magie à une histoire qui n'en avait pas forcément besoin. Aussi, ce matin, au travers des chants, des danses, des slams et de la prédication, nous aimerions vraiment vous replonger avec nous 2000 ans en arrière au cœur de la véritable histoire de Noël.
Alors j'espère que vous êtes prêts à faire ce voyage avec nous. Est-ce qu'on peut encourager les musiciens ce matin qui vont tout donner pour que vous passiez un bon moment? Et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans la joie? Parce qu'on va chanter Joie dans le monde, tout le monde debout. Est-ce qu'on peut encore saluer les 2-3 personnes autour de vous là? Dites bonjour aux gens autour, devant, derrière. Et si vous êtes dans la joie, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Et 1, 2, 1, 2, 3, et... Comment je chante bien? Ok, j'aimerais vous apprendre le refrain du deuxième chant pour que vous puissiez chanter avec moi. Ça marche tout le monde? Et là, c'est un petit peu groovy, donc il faut taper des mains comme ça. Vous êtes capables? Ok, avec la batterie, ça va être mieux. Yeah! J'entends des anges chanter Alléluia, que la terre. L'amour de
naissance. Oh, l'amour de Dieu, chantez-le, Jésus-Christ est né. Ok, dis à la personne à côté de toi maintenant, franchement, tu chantes mieux que ce que je pensais. Et c'est parti! Près de sa mère, voici le sauveur était dans la crèche. Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse! Et j'entends les anges chanter Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu. Avec vous. Alors, tous ceux qui ont des clés, vous allez me les faire des petits grelots comme ça. Montrez-moi. Est-ce que je peux avoir des clés? Merci beaucoup. J'ai un super trousseau ici. Alors, il y en a plein qui n'ont pas de clés. Il n'y a pas de souci. On a pensé à toi.
Donc ce que vous allez faire, si tu n'as pas de clé, vous allez faire ça. Tu peux me passer le clic, voilà. Attention, un pied, un clap, on y va. Écoutez-le. Alors il faut avoir un peu de rythme. Je vous avais pas dit. Il faut avoir un petit peu de rythme, un minimum de rythme. Si tu n'as pas de rythme, prends tes clés. Y a pas de problème. On y va tout le monde. Même si tu es sur Facebook Live, tu peux prendre tes clés, tu peux taper chez toi ou là où tu es. On y va tout le monde. Et là maintenant, on va chanter en même temps. Dis à ton voisin, je suis capable de faire ça moi. On y va tout le monde. 1, 2, 1, 2, 3 et... Gloria, 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 Gloria. Gloria, Gloria, Gloria. À vous maintenant. Gloria. Tous ceux qui n'ont pas le rythme. Gloria. Yeah. Franchement, si on part en tournée, je vous prends tous. Est-ce que vous êtes prêts à partir en tournée pour chanter Gloria, Gloria? Oui? On peut s'applaudir et on y va avec les anges dans nos campagnes. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. De nos montagnes redit ce chant mélodieux.
Gloria, Gloria.
place et place à la suite. Bienvenue à toutes et tous, petits et grands, pour découvrir ensemble la fabuleuse et merveilleuse, la fantastique et magique, l'incroyable et véritable histoire de Noël. Tout a commencé il y a plus de 2000 ans, dans un pays féerique que Dieu s'est choisi et où coule le lait et le miel. Au milieu d'un peuple heureux et plein de promesses, Dieu va accorder sa grâce à Marie et Joseph et renforcer le bonheur qui les unit. Une famille dont tout le monde enviait l'histoire accueille une naissance annonçant la gloire. L'élu, le grand roi d'Israël, l'attente de toute une nation, la promesse de Dieu pour ce pays est sur le point de s'accomplir. Le petit Jésus est emmailloté bien au chaud dans son berceau, à côté duquel le Père Noël a déposé chocolats et cadeaux. Non, les amis. Bonjour à tous. Bienvenue à vous qui êtes là dans ce lieu. Bienvenue à ceux qui sont là, à celles qui sont là pour la première fois. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous regardent en ce moment sur le live Facebook. Je suis le pasteur Mathieu Perrault et je suis obligé d'interrompre cette histoire de Noël. L'histoire que vous venez d'entendre, c'est l'histoire à laquelle on essaye de nous faire croire depuis des années, année après année. C'est l'histoire de Noël qu'on nous vend, c'est l'histoire de Noël à laquelle on veut nous faire croire, mais ce n'est pas la véritable histoire de Noël. Et j'aimerais vous inviter, vous tous qui êtes là et vous tous qui êtes derrière un écran, à venir découvrir ou redécouvrir ce matin quelle est la véritable histoire de Noël ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de Noël ? Et pour le découvrir, j'aimerais vous inviter à voyager dans le temps avec moi, à voyager dans l'espace s'il le faut, mais à venir découvrir dans le livre qui parle de la naissance et du récit de Noël, j'aimerais vous inviter à découvrir avec moi dans ce livre, la Bible, quelle est l'histoire de Noël ? Quelle est la véritable histoire de Noël ? Et j'aimerais vous dire que contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire année après année, la véritable histoire de Noël, Noël, c'est l'histoire d'un rêve qui s'inscrit dans une triste réalité. C'est l'histoire une histoire qui commence dans un peuple, dans la vie, dans le contexte d'un peuple où tout n'est pas rose, où tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes. Ce n'est pas le monde des bisounours dans lequel Noël s'inscrit, mais c'est dans une triste réalité. L'histoire et la réalité et le contexte d'un peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël, qui depuis plus de 70 ans est occupé par les Romains, qui depuis des siècles subit invasion sur invasion, oppresseur sur oppresseur et domination sur domination. Et au moment où démarre l'histoire de Noël, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils sont sous l'occupation des Romains sur leur propre territoire, qu'ils sont soumis à des taxes, qu'ils sont soumis à des impôts, qu'ils sont soumis à une domination et à une oppression qui est là. Et alors que ce peuple croyait en Dieu, alors que ce peuple plaçait son espérance en Dieu pour pouvoir les libérer et les délivrer, chaque fois qu'une invasion ou qu'un ennemi arrivait sur leur terre, voilà que ce Dieu-là, ça fait plus de 400 ans qu'il ne dit plus rien. Plus de 400 ans entre l'Ancien Testament de la Bible et le Nouveau Testament de la Bible, où il n'y a rien qui se passe, où Dieu semble silencieux, où Dieu semble absent de leur histoire, absent de loin de se préoccuper de chacun de leurs détails, de chacune de leurs vies et de ce qu'ils vivent à ce moment-là. Plus de 400 ans que ça dure, où on a entendu des prophéties, on a entendu des choses par le passé, de ce que Dieu était capable de faire avant, mais depuis plus de 4 siècles, il ne se passe rien pour eux. Au moment où démarre Noël, c'est cette triste réalité-là. Cette réalité où le peuple osaient encore croire en Dieu, osaient encore placer leur espérance en Dieu, voilà que les leaders religieux de l'époque sont des leaders méchants, sont des leaders dominants, qui cherchent juste à faire souffrir le peuple encore davantage, à profiter de ceux qui croyaient encore davantage, à rajouter commandement sur commandement, loi sur loi, si bien que personne n'a encore l'espoir de voir un jour les promesses s'accomplir. On est dans ce contexte-là. Noël, c'est un rêve qui s'inscrit dans une triste réalité. La réalité d'un peuple qui souffre, la réalité d'un peuple qui est dominé, la réalité d'un peuple dont les rêves sont loin. La réalité est tellement triste. C'est la réalité d'un peuple qui a entendu parler qu'un jour il y aurait un Messie qui viendrait les libérer pour toujours, qu'il n'aurait plus affaire à des ennemis. C'est l'histoire d'un peuple qui a entendu parler par la bouche des prophètes autrefois, des parents et des grands-parents qui racontent l'histoire génération après génération de ce qui s'est passé dans le passé. Ils entendent parler d'un Messie qui viendrait un jour, d'un libérateur. Mais à ce moment-là,
Il n'y a rien qui laisse présager que ce Messie va venir. Il n'y a rien qui laisse supposer qu'on est au début de l'accomplissement, du moindre épanouissement pour leur propre vie. Noël s'inscrit dans cette réalité-là. Je ne sais pas pour vous, mais il y a tellement des fois, entre le rêve et la réalité, un fossé qui est énorme. Dans nos propres vies, vous tous qui êtes là ou derrière un écran, alors qu'on est dans ce contexte en 2018 où les réseaux sociaux sont surabondants, on voit tous des stories défiler sur Instagram ou sur Facebook, vous savez, la story où vous voyez la jeune fille, son fiancé l'a pris en photo et puis met la story sur Instagram et la jeune fille est formidablement posée avec la chevelure au vent devant une plage en Espagne, au Portugal ou en France ou sur n'importe quelle île paradisiaque. Et nous, on voit ça et ça nous vend du rêve. Alors, on cherche l'âme sœur, et au moment où on rencontre l'âme sœur, ce que la story Instagram ne nous a pas dit, c'est le nombre de posts qu'il a fallu pour que madame soit satisfaite et accepte la photo comme story. On voit les stories du petit bébé, la belle image, la belle publication du petit bébé assis tranquillement sur le coussin, avec le sourire d'un ange sur le visage, profondément endormi dans les bras de papa ou de maman. Et alors qu'on voit la story, on se dit, mais faisons un enfant, encore un autre. Et alors qu'on le fait et qu'on veut mettre la photo, la story ne nous a pas dit le nombre d'heures pendant lesquelles il hurlait la nuit avant qu'il soit profondément endormi. Il n'y a pas ça sur la story. Et il y a un fossé entre le rêve qu'on se fait des choses et la réalité de nos vies. Et des fois, c'est pareil dans nos vies. On avait le rêve d'un beau mariage, on avait le rêve d'un super boulot, on avait le rêve d'un magnifique, de magnifiques études pour pouvoir investir et d'un super projet. Mais entre le rêve et la réalité d'aujourd'hui, d'une famille unie, d'une famille heureuse, il y a un fossé qui les sépare. Noël, c'est un rêve qui s'inscrit dans une triste réalité. Et si ce matin vous êtes venu ou vous regardez ce culte avec une triste réalité dans votre vie, j'aimerais vous dire que Noël est pour vous. Noël est ce rêve qui veut s'inscrire dans votre vie. J'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est comme ça que ça démarre, Noël. Ça démarre dans la vie d'un jeune couple, Joseph et Marie, tout jeunes fiancés. Et alors qu'ils préparaient leur mariage, voilà qu'ils vont recevoir l'annonce par un ange qu'un bébé va naître. Il faut que vous compreniez que Marie, lorsqu'elle reçoit cette annonce, c'est loin d'être un sujet de grande joie. Pourquoi ? Parce que ça vient comme fracasser tous les projets d'avenir, tous les projets de mariage et toute une incompréhension. Il faut que vous puissiez comprendre. Essayez d'imaginer de vous mettre à la place de Marie. Elle a grandi dans un peuple et dans une culture où Dieu ne parle plus depuis plus de 400 ans. Dieu ne fait plus rien pour eux. Ils sont occupés par des Romains et il n'y a pas d'espoir. Les rêves, les belles promesses sont tellement loin d'un accomplissement et d'un accomplissement pour leur vie dans le temps où ils vivent. Mais voilà que Dieu, au-delà de l'annonce d'un petit bébé, Dieu va venir à travers un ange, il va venir rassurer Marie et lui annoncer plus que la venue d'un petit bébé. Gabriel, je viens à toi pour t'annoncer une nouvelle qui va changer le monde, le bouleverser et transformer de nombreuses destinées. Marie, Marie, non, ne crains pas, je comprends tes doutes et tes questions sont avisées. Je sais que tu es jeune femme fiancée. Marie, Marie, promise à Joseph, descendant de David et de métier charpentier. N'ayant même jamais vécu avec un homme, tu dis, comment vais-je lui annoncer? Et pourra-t-il vraiment l'accepter? Comment vais-je annoncer cette nouvelle-là, mon bien-aimé? Marie, Marie, Marie. Non, ne crains pas, l'espoir est retrouvé, et à présent l'espoir est là. Dieu est avec nous, Marie. Dieu est avec toi. Non, ne crains pas, l'espoir est retrouvé, et à présent l'espoir est là. Dieu est avec nous, Marie. Dieu est avec toi.
Et Marie, sache que le Dieu Tout-Puissant t'a choisi. Tu porteras son Fils, il sera le Messie. Juste dire, ne crains pas, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, l'Éternel, te couvrira. Et par toi, Marie, un Fils naîtra. Tu l'appelleras Emmanuel, de son nom Dieu avec nous. Il sera le Fils de Dieu, le Messie, celui qui sauve des vies. Marie, non, ne crains pas, l'espoir est retrouvé et à présent l'espoir est là. Dieu est avec nous, Marie. Dieu est avec toi. Non, ne crains pas, l'espoir est retrouvé et à présent l'espoir est là. Dieu est avec nous, Marie. Dieu est avec toi. Car rien n'est impossible à Dieu, sois honoré, Marie. Tu es celle que l'Éternel a choisie pour porter le Messie. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de force, de connaissance, esprit de sagesse, d'intelligence. Il sera le Fils de Dieu et sauvera de nombreuses vies. Il sera celui qui ôtera le péché et sera appelé Prince de la Paix. Non, ne crains pas, l'espoir est retrouvé et à présent l'espoir est là. Dieu est avec nous, Marie. Dieu est avec toi. Non, ne crains pas, l'espoir est retrouvé et à présent l'espoir est là. Dieu est avec nous, Marie. Dieu est avec toi. Pourquoi parler d'espoir qui est retrouvé? Pourquoi l'ange va venir parler à Marie d'un espoir qui est retrouvé, de ne pas craindre? Parce que, les amis, Noël, c'est l'histoire d'un espoir qui était perdu et qui va être retrouvé. Et c'est encore plus flagrant lorsqu'on étudie, qu'on regarde et qu'on lit le récit dans l'évangile de Matthieu. C'est le livre qui commence le Nouveau Testament. Et lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, il commence avec, avant de parler de la naissance de Noël, avant de parler du début de l'histoire, il parle de ce qui se passe avant. Il parle de la généalogie de celui qui allait être le papa de Jésus, la généalogie de Joseph. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est super important dans la culture de l'époque. Les Juifs, c'est ancré en eux de savoir de qui ils sont les descendants. C'était important pour eux de savoir qui étaient leurs ancêtres. Et de se présenter en tant que tel, c'est quelque chose qui était fréquent lorsqu'on lit la Bible et c'est quelque chose qui est important de pouvoir se présenter comme Matthieu, fils de Joël, fils de un tel, fils de un tel, pour savoir de qui on était les descendants, de savoir qui étaient nos ancêtres. Et le Nouveau Testament commence en plantant le décor de la généalogie de Joseph, parce que c'était pour nous important de comprendre dans quel contexte s'inscrivait la naissance de Jésus et Noël. Parce que Noël, c'est l'histoire d'un espoir perdu qui va être retrouvé. Joseph, lorsqu'on regarde sa généalogie, lorsqu'on considère sa généalogie, on se rend compte que c'est un descendant direct du roi David. Il est dans la lignée, dans la descendance du plus grand roi de l'histoire d'Israël, de l'histoire du peuple juif, le grand roi David. Autrement dit, lorsqu'on regarde la généalogie, il y a David qui apparaît, puis le fils de David qui est devenu roi, et puis le petit-fils de David qui est devenu roi, et puis l'arrière-petit-fils qui est devenu roi, et l'arrière-arrière. Je m'arrête parce qu'il y a des générations et des générations, mais de génération en génération, de père en fils, ils vont tous devenir rois les uns à la suite des autres. Et Joseph, c'est important que vous compreniez ça, Joseph fait partie de cette lignée-là. Il fait partie de cette descendance-là. Et dans l'histoire de la généalogie de David, il y a un moment donné où le peuple d'Israël va être envahi par le royaume perse, et le royaume perse va prendre les Juifs, et va les déporter, les amener captifs dans leur royaume, à Babylone, dans la capitale. Et il y a cette histoire qui va durer pendant 70 ans, où ils sont amenés en déportation à Babylone. Et jusqu'à la déportation à Babylone, tous les descendants de David sont rois de père en fils, de génération en génération. Et au retour de la déportation qui va durer 70 ans, lorsqu'ils vont rentrer dans leur pays en Israël,
tous les descendants vont être des illustres inconnus. Donc on ne connaît absolument pas l'histoire, on ne connaît absolument pas quels étaient leurs métiers, s'ils ont fait des actes héroïques ou pas. On ne connaît rien d'eux, juste leur nom. Il faut que vous puissiez comprendre que Joseph fait partie de cette descendance-là. Joseph fait partie de cette lignée-là. Autrement dit, c'est un descendant direct du roi David. Dans son sang, Joseph, dans ses veines, Joseph a du sang royal. Il fait partie de la lignée des rois. Sa destinée aurait dû être celle d'un roi. Il aurait dû naître dans un palais, il aurait dû avoir plein de serviteurs qui venaient pour lui, il aurait dû grandir comme un prince, apprendre à marcher comme un prince, à manger comme un prince, à se battre comme un prince, à gouverner comme un prince. Toute sa vie aurait dû être destinée à le préparer comme pour être le futur roi. Joseph aurait dû être roi. Mais à cause de quelque chose qui a eu lieu des siècles passés, de gens dont on ne connaît même pas l'histoire et juste le nom, voilà que Joseph aurait dû être roi. Mais Joseph ne sera jamais roi. Joseph va devoir apprendre un métier et devenir charpentier. Essayez de vous mettre à la place de Joseph. Dans la culture juive, c'est tellement important de connaître de qui on est les descendants. Joseph sait toutes ces choses. Joseph sait de qui il est le descendant. Il sait qu'il est le descendant du roi David. Joseph sait qu'il aurait dû être roi. Autrement dit, alors qu'il est en train de préparer son mariage, alors qu'il est en train de préparer son avenir, combien de fois le matin, lorsque Joseph, essayez d'imaginer, lorsque Joseph allait au travail le matin, combien de fois il a dû se dire, j'aurais jamais dû vivre cette vie-là. J'aurais jamais dû subir ces conséquences-là. Je n'ai pas mérité une telle vie. J'avais une destinée royale. J'étais destiné à être un roi. Mais voilà que je dois aller travailler dur, monter sur des toits, faire des charpentes, tout ça pour préparer un avenir que normalement les autres auraient dû faire pour moi. J'aurais dû être roi. Et voilà que l'ange, essayez de vous mettre à la place de Joseph, l'ange arrive et dit et annonce, l'enfant qui va naître sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Il sera le roi des rois. Son règne n'aura jamais de fin. Il règnera pour toujours. Essayez d'imaginer ce qui va se passer dans le cœur de Joseph. En fait, je veux vous le dire d'une autre manière. Noël, c'est pour tous nos « j'aurais dû » et « j'aurais pu ». Tous les espoirs qui ont été perdus un jour, tous nos espoirs qui ont été brisés un jour par la vie, par nos erreurs, par les erreurs d'autres personnes, toutes les fois où on s'est dit « j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais tellement aimé ». Noël vient pour chacun de vous. Noël vient pour toutes ces personnes-là. Joseph, alors qu'il aurait dû être roi. Joseph, tous les préparatifs du mariage, toutes les choses auxquelles il doit pourvoir, auxquelles il n'aurait jamais dû pourvoir, journée après journée, son métier, matin après matin, soir après soir, vient lui rappeler ce à quoi il aurait dû aspirer, ce dont il aurait dû bénéficier. Joseph aurait dû être roi, mais il ne sera jamais roi. Et l'histoire de Noël, c'est l'histoire d'un espoir qui est retrouvé. C'est l'histoire d'un roi dont le règne n'aura jamais de fin. L'ange va dire à Joseph et va dire à Marie, l'enfant qui naîtra, je l'établirai sur le trône de David, dans le cœur de Joseph. À ce moment-là résonnent toutes les promesses, tout l'espoir qui était perdu et qui est comme retrouvé. Essayez d'imaginer, mettez-vous à la place de Joseph. Dieu va venir et Noël, c'est ça. C'est Dieu qui vient pour cet homme, qui vient pour ce foyer, donner à un roi, et pas n'importe quel roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui dont le règne n'aura jamais de fin, à celui qui aurait dû être roi. Au plus grand de tous.
sainte nuit. C'est d'abord l'histoire d'un espoir perdu qui est retrouvé dans la vie d'un homme, un homme qui aurait dû être roi. Et Dieu qui va lui offrir ce cadeau à l'homme qui aurait dû être roi, le prendre et en faire un fabricant de roi. Celui qui va engendrer le roi et qui pour toujours sera dans sa descendance. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le sauveur du monde. Et j'aimerais vous dire, vous qui êtes derrière un écran, vous qui êtes ici dans ce lieu, Noël et pour vous qui avez le cœur brisé. Noël est pour vous qui avez un espoir qui a été perdu un jour. Noël est pour vous qui soupirez après une consolation ou une restauration. Noël est pour tous ceux qui ont des promesses qui sont encore sans réponse, qui sont dans le contexte de ces couples, de ce peuple, où Dieu est comme silencieux depuis des années, où Dieu semble être absent, où vous avez entendu parler de ce que Dieu était capable de faire, mais où il ne se passe rien dans votre vie. Noël est pour vous. Noël est pour vous. Tous ceux dont l'espoir a été perdu. Tous ceux qui sont dans l'attente de promesses. Tous ceux qui ont un désir de plus dans leur vie. Tous ceux qui ont un désir de changement, d'un basculement dans leur vie. Parce que Noël, c'est ça. Noël, c'est l'histoire d'un momentum dans la vie de l'humanité. Et quand nous parlons de momentum pour l'humanité, c'est pas pour qu'on ait une jolie invitation et un joli flyer. C'est pas seulement parce que nous sommes en 2018 après Jésus-Christ que nous disons cela, mais parce que réellement il y a eu un avant et un après Noël. Comme aujourd'hui, il peut y avoir un avant et un après cette matinée. Il peut y avoir un avant et un après ce moment que nous sommes en train de vivre, ici physiquement ou derrière un écran. Parce que Noël, c'est l'histoire d'un momentum, du moment où tout bascule, d'un changement, d'un shift qui se fait. Jusqu'à l'époque de la naissance de Jésus, jusqu'à Noël, dans la Bible, nous voyons un Dieu qui agit dans plusieurs contextes, à plusieurs situations, dans plusieurs moments, différentes circonstances. Nous voyons un Dieu qui agit pour son peuple. Nous voyons un Dieu qui envoie un homme, qui choisit un homme, qui choisit un groupe d'hommes et de femmes pour libérer son peuple et pour le sauver. Dieu qui vient et qui agit pour son peuple, pour ses enfants. Et alors que l'ange annonce un sauveur, un libérateur, Dieu sait que dans la pensée de Joseph et de Marie, il va se produire la pensée suivante. C'est que Dieu va encore venir pour nous. Et Dieu désire qu'il y ait un shift qui se fasse dans leur pensée, qu'il y ait un changement et qu'ils voient les choses comme Dieu les voit. Alors l'ange va annoncer, cet enfant, on l'appellera Emmanuel. Et c'est particulièrement étrange parce que lorsqu'on lit la suite de la Bible, lorsqu'on lit la suite de l'histoire, lorsqu'on lit la suite des évangiles, on se rend compte que cet enfant, jamais personne ne va l'appeler Emmanuel. Tout le monde l'appellera Jésus. L'ange annonce un enfant qu'on appellera Emmanuel. Les prophéties dans l'Ancien Testament annoncent un enfant qui s'appellera Emmanuel, mais jamais personne ne l'appellera Emmanuel. Tout le monde, et jusque nous aujourd'hui, tout le monde va l'appeler Jésus. Et lorsque l'ange annonce la venue de cet enfant, il rappelle une promesse qui datait de siècles auparavant avec le prophète Ésaïe, d'un moment où Dieu donnait un signe qu'il allait agir pour son peuple. Voici à quoi vous saurez que je suis pour vous, c'est qu'un enfant naîtra et on l'appellera Emmanuel. Et pourtant, on va l'appeler Jésus. Pourquoi devait-il s'appeler Emmanuel? Pourquoi l'ange insiste là-dessus? Parce que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Jusqu'à présent, Dieu faisait des choses pour son peuple. Noël, le changement qui se crée pour l'humanité, c'est que Dieu ne vient pas seulement pour nous,
Dieu vient avec nous. Le moment que nous sommes en train de vivre peut être le début d'une histoire nouvelle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le moment et le jour où Dieu va faire quelque chose pour vous, mais c'est le moment où Dieu va commencer à être avec vous. Et si Dieu est avec nous, alors il peut y avoir tout un tas de choses contre nous. Dieu agira en temps, en heure pour nous. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir avec nous. Noël, c'est le début pour vous de cette nouvelle histoire. C'est la possibilité pour vous, l'espoir qui a été perdu d'être retrouvé. C'est la possibilité pour vous de vivre ce momentum. Qu'afin que vous puissiez goûter au salut, à la délivrance, à la restauration dont vous avez besoin, que Noël soit Dieu avec vous. Parce que Noël, c'est ça. C'est Dieu qui veut être avec toi. Le Seigneur est éternel.
Noël, chers amis, peut devenir l'espoir, la promesse d'un Dieu qui est avec toi. Pas seulement d'un Dieu qui veut faire quelque chose pour toi, d'un Dieu qui veut être avec toi. À chaque jour, à chaque moment, dans chaque détail de votre vie, quelle que soit votre réalité, aussi heureuse soit-elle, aussi triste soit-elle, aussi victorieuse soit-elle, aussi douloureuse soit-elle, Dieu qui veut inscrire ce rêve, cette promesse, cet espoir retrouvé d'un Dieu qui est là avec toi. Noël, c'est une histoire qui s'inscrit et qui s'écrit dans ce livre. Mais Noël aujourd'hui, que vous soyez là ou derrière un écran, Noël peut devenir l'histoire qui s'écrit dans votre propre vie, qui démarre le début d'une nouvelle histoire dans votre vie. Noël peut devenir plus que l'histoire d'un Dieu qui a été là pour un peuple, pour un couple, mais d'un Dieu qui est là avec toi. Et ce matin, tout peut commencer. Tout peut recommencer. Pour cela, il suffit juste, comme Jésus qui est né physiquement sur la terre il y a un peu plus de 2000 ans, comprendre que c'est un changement qui veut se produire dans nos vies et l'inviter à naître ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. L'accueillir et lui demander de venir dans notre cœur, démarrer une nouvelle page de notre histoire. Écrire quelque chose de nouveau dans nos vies. Qu'il soit cette promesse et cet espoir d'un Dieu qui est là avec nous. Et pour cela, j'aimerais juste vous inviter, vous tous qui êtes là, tous ceux qui ont la santé de le faire, à vous tenir debout un instant, s'il vous plaît, à votre place. Pendant qu'on est dans ce moment, j'aimerais, ceux qui ont la santé de le faire, ceux qui sont derrière un écran, j'aimerais vous inviter à prier un instant et à pouvoir répondre à un appel. Et j'aimerais juste que pendant un instant, on puisse garder nos yeux fermés, on puisse se concentrer sur ces moments, ces paroles que nous venons d'entendre. Et même ceux qui sont derrière le live Facebook, j'aimerais vous inviter aussi à fermer vos yeux, simplement. Dans un instant, je vais lancer un appel, je vais lancer l'invitation à plusieurs de pouvoir inviter Jésus. Si vous êtes là dans un instant, je vous demanderai juste à votre place pour que je puisse prier pour vous, simplement de lever votre main là où vous serez. Si vous êtes derrière un écran sur Facebook, juste d'écrire Amen, afin qu'on puisse également prier pour vous. Noël, c'était cet espoir perdu qui est retrouvé dans votre vie. Noël, c'est ce rêve qui s'inscrit dans votre réalité, quelle qu'elle soit. Noël, c'est ce changement. Et ce matin, il peut y avoir un avant et un après. Et pour cela, pendant que tout le monde a les yeux fermés, j'aimerais juste, tous ceux qui ont besoin de retrouver l'espoir, tous ceux qui ont besoin d'un changement, tous ceux qui ont besoin d'une restauration, d'une consolation, ceux qui aspirent à plus, qui ont besoin d'inviter Jésus à venir dans leur cœur, ce matin, là où vous êtes, que ce soit à travers un Amen ou une main qui se lève, mais là où vous êtes, demandez à Jésus de venir, simplement en levant votre main pour vous qui êtes là dans ce lieu. Il y a plein de mains qui se lèvent partout à travers ce lieu. Plein de mains qui se lèvent un petit peu partout. Une fois que vous avez levé votre main, vous pouvez la baisser. Au-delà d'une, encore une main qui se lève sur le devant. Au-delà d'une main qui se lève, c'est un cœur qui s'ouvre devant Dieu. C'est Jésus qui vient habiter dans votre cœur. Encore une main qui se lève ici. Encore une main à gauche. Encore une main à droite. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains qui se lèvent et celles qui continuent de se lever. Tu vois ceux qui, derrière un écran, disent Amen à cette prière et veulent se joindre à cette prière. Je prie pour chacun. Seigneur, merci parce que Noël, c'est une histoire qui a commencé il y a un peu plus de 2000 ans et qui peut commencer encore dans nos vies. Tu es Dieu avec nous, comme pour nous inclure aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour tes promesses. Merci parce que tu nous as gravés dans le creux de tes mains. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci parce que tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun. Alors je prie pour tous ceux qui ont besoin de retrouver l'espoir, afin qu'ils retrouvent l'espoir. Tous ceux qui ont besoin de consolation, de restauration, de joie, de changement. Seigneur, tu es ce Dieu qui est avec nous. Viens naître dans chacune de ces vies.
Viens opérer le changement et viens enclencher ce momentum dans la vie de chacun, quelle que soit leur réalité. Inscris le début de cette histoire dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux, toutes celles qui ont levé la main, j'aimerais vous inviter juste à faire le pas de plus. On veut vraiment vous accompagner dans cette démarche d'accueillir Jésus dans votre cœur. Quand ces moments vont se terminer, j'aimerais juste vous inviter, c'est une invitation, à aller et à vous rendre vers l'espace bienvenu, où il y a des gens qui pourront vous accueillir, répondre aussi à vos questions, prendre un temps avec vous, vous offrir un petit cadeau comme ça vous sera dit tout à l'heure. Mais je veux juste vous inviter à faire le pas de plus. Et pour ma part, je vais vous laisser avec toute l'équipe conclure ce temps en déclarant que Jésus, Noël, cet espoir perdu qui est retrouvé, c'est pour celui qui aurait dû être roi. Dieu en a fait un fabricant de rois. Et pas n'importe quel roi. Le roi que le ciel acclame, que les anges acclament, le roi des rois, celui qui vient nous sauver. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Alléluia.
Notre rendez-vous se termine et j'espère que ce moment est un moment bénissant, que le message vous a encouragé. Et d'ailleurs, si vous avez besoin qu'on prie pour vous ou si vous avez des questions, notre équipe se tient à votre disposition maintenant via l'onglet « Prière en direct ». Vous pouvez partager ce moment et donner rendez-vous à vos amis un autre jour, tout simplement en cliquant sur l'onglet « Calendrier ». Vous pouvez aussi participer financièrement à l'avancée de l'Église en ligne, tout simplement en allant sur l'onglet « Donner ». Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Au revoir.